de quitter la scène de leur concert à Sauveterre de Rouergue ce soir. Nous allons immédiatement à leur rencontre. On imagine que vous n'avez pas eu trop le temps de faire du tourisme. C'est une date assez rapide. Quelles sont vos premières impressions? C'est un joli petit coin. Nous, on a l'habitude de vivre en ville, de vivre dans des grandes métropoles. Et puis, c'est bien sympa quand même d'être un petit peu isolé, d'être un peu tranquille dans la nature. Puis, ça faisait longtemps que j'étais pas posé. On s'est posé à l'hôtel, on a ouvert la fenêtre. Et le seul truc qu'on entendait, c'était les oiseaux. Ça, c'est quand même pas si bon souvent, donc c'est quand même impressionnant. Il y a plein de dates qui arrivent jusqu'à la fin de l'année. Il y en a vraiment énormément, tous les week-ends quasiment. Plus ? Et même plus, ouais. Et sinon, ben, ça bosse, ça fait de la musique pour un prochain opus à venir. Quoi, ça compose, ça chante. Et là, je parle vraiment pour eux parce que moi, j'ai intégré le groupe il y a peu de temps et je suis du côté scratch. Et voilà, donc la production, c'est plutôt... Non, c'est vrai qu'on... En fait, on est constamment en préparation de titres, on est tout le temps en train, moi des fois je suis aux toilettes, je fais un titre, lui il est chez lui à la maison sous la douche, il pense à un titre, on est en train de manger ensemble au McDo, on pense à un titre, donc on est constamment en train de créer des nouveaux morceaux et le problème en fait surtout c'est que Lire le Temps c'est un groupe qui a pas envie de prendre une direction type, donc on sait pas encore quel type de direction on va prendre sur le prochain album quoi. Est-ce vraiment un problème? Bah, il faut essayer de partir un peu moins dans tous les sens, on nous dit, mais...